Et salut salut YouTube. On s'était fait chier à la dernière VOD et on compte bien continuer comme ça. Donc là on a découvert pas mal de trucs en mer. Enfin, pas mal. Non. Je retire ce que j'ai dit. On n'a rien découvert du tout. On va partir vers le nord là. Tac. On fera le tour comme ça. Alors, est-ce qu'on a une barre quelque part ici? Non? Hein? C'est ici qu'il faut aller? Pour avoir une marque? Bah, feu! Ça nous a éloigné encore plus, hein? C'est ça qui est terrible! C'est ça que c'est bon! Et hop! Voilà, poser ton cul. Allez hop! Souké les Artemis. Ouais, vas-y, mec. Hein. On a un petit nord-nord-nord. On a un petit vent de nord-nord-est. On tient un bon 22, mais. Quand même, hein, je vais me retrouver sur... Eh, il y a des vagues là, il y a des sirènes, je vais me retrouver sur le dos. Ah. La Bretagne, ça nous gagne. Ça fait 4h50 qu'on est en stream, mais voyons. Ce qui est bien, ce jeu, c'est qu'il permet de faire des étirements en même temps. Si vous voulez faire un petit peu de muscu aussi, c'est pareil. Vous restez habitué sur X avec une main et vous faites, et vous changez de main après. Et c'est super loin, hein. Il y a des gens qui regardent. Il faut partir. Hein. Faut pas rester sur ce stream. Hein. On fait l'exploration nulle et on fait l'exploration dans la flotte en plus. Bon, au moins ça nous laisse le temps d'apprécier la musique. Coupée par des. Il y a la météo quand même. C'est tellement beau. Bon, c'est rempli de saloperies. Plonge. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande de remonter.
Ah mais c'est encore long en fait. Ah non, c'est là. Compter ainsi un trésor. Ok. Trouver le trésor glissé à l'aide de vos sens de sorceleur. Le truc classique. Est-ce que tu peux plonger s'il te plaît? Merci. Le coup classique. Voilà, il y a. Allez, vas-y. Montez à la surface, ça commence à manquer l'air. Paf! Mais il y a vraiment des gens qui regardent l'exploration. J'aurais dû mettre, j'aurais dû changer mon site. Exploration nulle ne venait pas. Parce que là, c'est ce qu'on va faire, les gars, hein, attention. Hein. Et allez, je prends ce point, paf, je lui mets un marqueur. Attends, on va commencer par celui-là. Ça, on va partir. Paf, paf, et ça va être super long, ouais. C'est un peu comme un Sea of Thieves, là, que je vais faire. C'est un simulateur de d'exploration de bateau, quoi. Sauf qu'il se passe rien, il n'y a pas de kraken, il y a juste des. De temps en temps, des sirènes que je tue en deux coups de carreau parce que je joue en facile. Enjoy quoi. Enjoy Phoenix. En joie. Une cache de contrebandier. Hop. Ah merde, c'est plus. Une attaque. Voilà. Voilà. Cassé. Ah, il y en a trois des caches. Ça va. Est-ce que tu peux faire un effort. Ouais, non, on va remonter. Non, non, mais calme-toi. Hop. Allez, mou. Ah non, c'est comme ça. Celui-là, on était en train de le fouiller, c'est ça. Merde, j'ai perdu lequel on a fouillé et lequel on a pas fouillé. Bon, celui-là, on l'avait pas fouillé. Je pense. Bon, celui-là est prêt, on va aller voir, mais je pense que c'est celui-là qu'on a déjà looté. Ouais. La preuve en est, il veut rien en faire. C'est marrant, quand il utilise ses sens, c'est plus son. Paf! Je préfère l'amour en mer. Ah, j'aurais fait un concept de. Dans ce genre de phase, où il se passe rien, je fais du karaoké à côté. Ah non! Foutage de gueule ça. Ouais, on y était presque. Hein.
mal à l'épaule. Ouais, c'est ça. J'ai de la place, 129. Putain, ça, c'est déjà chaud, hein. Ça va vite, hein, c'est ouf, hein. N'empêche, on se fout de l'espérance, hein. On se fait un max d'XP avec ces conneries, hein. C'est fait 2 points, les gars. Non, peut-être un 3, peut-être 3 avec ce. Peut-être il y a celui-là. Non, il y a celui-là. Ça fait 3 points, ouais. Bon, autant pour moi. Je suis mauvaise langue, c'est vrai que. Ah, ça a pris des gros dégâts là. La petite planche là, elle a failli mettre le bateau à mal. Hein. C'est fou, ça attire du monde, The Witcher. Hein. Alors qu'il se passe rien. Hein. Enfin, là, sur le mien de live, il se passe rien. Sinon, The Witcher, c'est complètement fou. Allez, plonge! Plonge! Ouf. Trop fort. Faire celui-là, puis ensuite on va aller au port ici. On pourra changer notre bateau comme ça. Oh, je te mets du vent. Oh, je t'ai mis du vent.
Ah, ça commence à tomber. Bon là, c'est sûr que des sites d'énergie en plein milieu de la flotte, on n'en aura pas. Baleine, c'est ça? Ah, qu'est-ce que c'est? Tiens, un drakkar en bon état. Ouais, non, mais moi je voulais en fait juste que tu qu'il se retire. Mais je sais pas. Il aimait bien la barre. Je suis déjà trop lourd. Bon, il y a bien des trucs, c'est nul. Ça me fait chier, hein, de jeter ça. Ça se vend, ça. C'est lourd, cette merde. Alors ok, une selle, c'est lourd, d'accord. Ce qui est marrant, c'est que j'ai... Enfin, j'ai pas regardé spécialement, mais j'ai l'impression qu'il coulait pas, malgré le fait qu'il soit trop lourd. Alors que normalement c'est ce qui devrait se passer quoi. Allez. S'il y a un port, c'est qu'il a un truc de TP. T'as des commerces ou je sais pas un truc. C'est pas juste un port. Ok, on est bientôt arrivé. On va passer sur le marqueur pour le retirer. Ah.
Ah, je suis à 160, je suis à la limite là. Si t'as abandonné. Ah, mais c'est bien ça! Quoi qu'il arrive, on a un marchand. Des fois, il n'y a pas de marchand, on est vrai, juste un. Allô? Quoi? C'est là que lui, il fait chier, c'est ça? Parfait, c'était ça. Et un marchand. Et de l'XP. Salutations, étranger. Qu'est-ce que t'as à vendre? D'accord, tu vends pas mal de trucs. Mais t'as pas beaucoup d'argent. Donc on va vendre les trucs pas chers en priorité. Cher, 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 bonjour. Ah, quand même. Ah, quand même. Bon vent. Mon père est devenu tout pâle comme toi, juste avant. Bon, bah maintenant qu'on s'est un peu vidé, on va continuer. Hein. J'aimerais bien gagner un emplacement pour la perk. Pour jouer, comme ça je débloque la direct là. Ah, si t'as abandonné, encore un. C'est bien ça, on est en train de repeupler là. Non. Prends ça toi. Voilà. Excellent. Allez, roule ma poule. Les barbes chanteront tes épreuves. On a tué un géant. C'est Gérald. Non, c'est lui. Vous aimez le hareng au vinaigre? Je déteste ça, moi. Attendez, y a rien là, ça j'ai fait venir aucun. Ah, y a même pas un genre un forgeron ou quoi. C'est dommage. Par contre, ça donne de l'XP, repeupler les trucs, c'est bien. Ça, c'est fort. Ah, et non, y a ça, mais y a pas de forgeron en fait, y a pas de marchand ici. Y a de quoi faire, mais. L'auberge ici. Non, c'est vrai que je t'appelle. Si t'as un marchand et un alchimiste. Bon, c'est vrai qu'on avait fait une session d'alchimie, mais. Le marchand d'abord. Mais non! Le marchand, comment on va au marchand? Il est en dessous. D'accord, mais on accède comment à. Ah, voilà. Bienvenue au bosque. Qu'avez-vous à.
Mais c'est pas un marchand. C'est un clodo. Qu'avez-vous à vendre, c'est... Des bombes. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que j'achète ça. Que je fasse du machin. Ouais. Alors, il y a un truc qu'il faut que j'achète en priorité, mais t'en as pas en plus. Au revoir. Parce qu'il m'intéresse en plus. C'est l'autre du coup qui va m'aider. Allez, tant pis, on va faire une petite session alchimie. Parce que je le vaux bien. Que voulez-vous? Vous avez. C'est quoi qu'il me faut? Excusez-moi. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Ah c'est ça. Le rêve de dragon, on a réussi à l'avoir tout à l'heure. C'est quoi qu'il faut? J'arrive plus à parler. Éther. Bon, les bombes, c'est bon. Pour l'instant. Rubis, encore un. Ah oui, c'est vrai que ça, on l'avait pas pris, ça. Il fallait en acheter, ça. Je crois qu'il en fallait aussi. Si je me souviens bien. Un éther encore. Graine d'ergot, ok. Ok, ça avance bien. De vitriol, comme ça c'est fait. Ah bah non, il a pas de quoi faire. Il en a pas des comme ça. C'est pas grave. Allez, salut. Non. Vous avez quelque chose. Au revoir. Adieu. Bon. Toujours pas vendu nos objets.
Je vais pas aller aussi. Ouais, à la limite, on connaît. On va y aller. Ça prend du temps, mais bon. La malédiction d'Ouma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. Ouais. Allez, au galop. Wow. Pourquoi wow? Gérald. Allez. J'aimerais passer. Vache, t'en as du pognon. Prenez soin. Qu'est-ce que c'est ça que je voulais faire. Hop. Ok. Un petit coup d'œil à nos. Alors. De cerise. Du coup, il faudrait acheter de la vodka. Je sais plus qui c'est qui en vend. Je sais. Adieu. Il faut qu'on en trouve. En avant. Il n'est pas un homme du baron, si. Allez, fais-moi la pièce. Ils sont fait défoncer comme une putain de navire. Ok. Alors, on va pouvoir faire le point. Ah oui, quand même. La malédiction d'Ouma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un. Alors. Ah mais il est encore dans son sale état le bateau ? Si on prenait un autre bateau, en bon état, je pense que c'est une bonne idée. Ils ont gardé le bateau en sale état quoi. On aurait pu le réparer quand même les gars. Ouais c'est pas grave. Merci Incognita de suivre la chaîne. Sympa. Bienvenue, bienvenue sur ce stream. Eh, hey, ça ramène un petit peu de monde, ça vous tire quand même. Bienvenue et bon courage aussi parce que. On fait de l'exploration nulle quoi. Oh là là, ils vont m'attaquer. En masse.
Bah, si tu veux retrouver toutes les histoires que j'ai fait sur The Witcher, bah j'ai le 1 et le 2, puis le début du 3 là, sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à aller voir quand même. Si c'est The Witcher qui t'intéresse, bah, à mon avis, je pense que c'est ce pourquoi tu es là. Non, pas assez rapide. Eh, mais même Talon, hein. Elle se rapproche. Mon bateau. Saloperie. Mon bateau, là. Casse mon bateau. Donc j'imagine que t'as fait The Witcher. Alors je sais pas si t'es... T'as un regardeur qui parle beaucoup, quoi. Ah, mon bateau, ils sont en train de casser mon bateau. Ah, mais t'inquiète. Jouant facile, hein. Je m'en cache pas. Je suis là pour l'histoire. Hein. Bon, là, on fait les séances de loot, de machin, de découverte. Un peu nul, mais. Et du coup, toi, t'es plutôt du genre à parler ou pas? Parce qu'il y en a qui. Oh là! Qui suivent la chaîne mais qui parlent pas. Après. Oh, une baleine. Jamais joué, je compte me le prendre. D'accord. Bah, je vais pas te spoiler, t'inquiète pas du tout. C'est. Là, t'auras pas du spoil. T'auras juste de l'exploration un peu nulle et puis. Et puis des blagues nulles aussi. Hey! Et t'as fait les deux premiers ou pas? Putain la vache, il est dans un sale état mon bateau là. Ok. Là, il y a un bateau, là, on va le prendre. Allez! Souffle les armes Timus. Ah, encore un. Ah non, c'est bon, on s'éloigne et elle nous a pas vu. Vous m'avez pas vu. Hop! Ah, c'est des fongeux. Merde, ils sont autour de moi. Il y a deux et du fongeux. D'accord. Prends ça. Ouais, désolé, j'ai bugué. T'inquiète pas, pas de soucis. Tu comptes. Enfin, tu t'as fait le premier et le deuxième, quoi. J'ai 103, hein. Ça va vite. Hein.
je ne fais que le 3, pas les autres, mais j'ai jamais joué encore. Bientôt normalement. D'accord. Okay. Ah bah ça y est. C'est génial. Bon ça va, on a un bateau qui est pas loin mais. Bon allez, Lord Manadou, on est fan. Bah écoute, si tu veux voir l'histoire du 1 et du... Lequel tu préfères? Le 3, sans conteste. Il y a aucune comparaison. Autant le 1 et le 2, il y a des mecs, il y en a qui préfèrent le 1, d'autres le 2. Moi j'ai préféré le 2 quand même s'il est plus court. Parce que bon, déjà le gameplay est un peu mieux, faut dire ce qu'il est. Le 1, l'ambiance est vraiment magnifique, mais ça se voit qu'en fait ils ont joué sur le fait qu'ils avaient peu de moyens pour créer une ambiance austère en fait. Ils ont joué en fait sur l'austérité du truc en fait. Ils ont dit voilà, on n'a pas de moyens, on met pas d'ambiance, mais c'est une ambiance austère en fait. C'est voilà, c'est à qui mieux quoi. Que le 2 en fait apparemment pour les fans c'est vraiment ce qui s'éloigne le plus en termes d'ambiance par rapport au livre. Mais bon. Après faire un choix. Hein. Puis bon t'as quand même plus de trucs quoi, t'as des crafting de d'armure, tu les as déjà. Les doublages, tout ça, machin, c'est pas à la Zob. Ouais, parce que le 1, quand même, ça sent vraiment le monde de moyens. Et je trouve que ça dessert quand même... Alors, l'ambiance est vachement sombre, ça j'ai beaucoup aimé. Mais malheureusement, le manque de moyens dessert, en fait. Ils auraient pu faire un jeu complètement fou, avec les intentions qu'ils avaient de faire un jeu sombre... Je dois aller tout en bas là. Ah non, c'est le bateau que je voulais prendre en fait. C'est juste un bateau que je voulais prendre. Alors, est-ce que je peux tirer? Non. Je peux tirer dans l'eau, mais pas. Est-ce que tu veux bien plonger, toi? Non. Sinon, je me casse. Hein. Oh. On se fait un max XP avec ces sirènes. Après ça reste des bons jeux, enfin ça reste je pense important. En fait il y a plein de personnages que tu découvres dans le 3. Tu dis ah il est là lui, ah machin, ah parce que tu as joué aux deux premiers en fait. Simplement. Mon bateau ! On va pas commencer à défoncer mon bateau ! Ah, ils ont déjà commencé à défoncer mon bateau. C'est honteux. Bon allez, embarquez sur Fred et Skiff. Nous allons découvrir ça. Bon, en gros, on est en train de découvrir tous les points d'interrogation comme ça, là. Et quand j'ai zoom, tu vois, en mer, il y en a plein. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout ça qu'on va essayer de faire. Hein. Sachant que ça prend facilement 2-3 minutes à en faire un. J'ai déjà fait une petite session d'une heure pour faire les parties du bas là. En bas machin, toi, on a fait ça, on a fait tout ça. Tout ce qui est grisé, on l'a fait, toi. Mais c'est long, c'est très très long. Et ça rapporte pas de truc de ouf en fait finalement. En fait j'aurais même le skippé en stream. Mais comme je suis con, je le fais quand même. Ça se trouve, il y en a un qui est super bien. Voilà. Pareil, n'hésite pas à... Ah oui, quand même, bah ouais. N'hésite pas
parler de moi autour de toi, si ça peut aider un petit peu, un petit coup de pouce sur la chaîne, ça mange pas de pain. C'est vrai que ça commence à décoller tranquillement, je suis assez content. Puis j'ai la webcam et le fond vert, ça décolle un peu. Puis The Witcher 3 apporte beaucoup plus de monde que les deux premiers, hein, d'ailleurs. Mine de rien. Ah non, 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 vous allez pas vous prendre dans mon bateau. Rien à foutre, je me gare loin, mais... Donc là, pas de spoil, hein. À la limite, du real talk, quoi. Un petit Witcher real talk ennui de l'été. Faut que je regarde là où est-ce que j'en suis au niveau du poids, là, parce que... C'est bien beau de prendre 50 milliards de trucs, ils sont nuls en plus. Merci, c'est sympa. Pour information, je fais beaucoup de... Je fais du RPG, alors pour l'instant j'ai fait que les Witcher. 1 et 2, j'ai l'âge de 3. Table d'histoire, je pense que je suis bien avancé. Je sais pas combien d'heures de jeu, je dois avoir 70 heures de jeu à peu près. On m'avait dit 200 heures, mais c'est pour tout faire. Ça a plus d'extensions parce que les extensions j'ai toujours pas fait. Et après j'ai commencé les Elder Scrolls mais à partir du 3. Je vais pas faire les deux premiers non plus parce que. Ça et je voulais faire toute la saga des Fallout. À partir du 1 même d'ailleurs. Après je fais beaucoup de roguelike. Slay Spire, Binding Isaac. J'ai fait J'ai fait un petit peu de. Merde, Swords of the Pit. Faut que je me fasse Darkness Dungeon aussi. Il y a plein de trucs, c'est infini. Bonjour. Après je vais lancer le stream horreur aussi, le stream rétro, le stream léopard, beaucoup de projets mais pour l'instant ça se lance pas trop et j'aimerais bien pouvoir lancer tout ça. Ah pour ça t'as... Tiens. Mais non, y'a toi. Alors faut savoir que là, tout ce qui est combat dans la flotte, maniabilité dans la flotte, c'est pas ouf hein, ce jeu là. Je trouve qu'il a en fait le gros défaut de jeu, c'est la maniabilité autre qu'à pied en fait. Enfin, quand tu nages, quand tu es à cheval, tout ça je trouve ça c'est un peu moyen quoi, tu verras. Mais... C'est un peu... Ça mériterait mieux. Ça arrivera petit... Ouais, non, mais ça arrive petit à petit, après. J'ai commencé fin mars, début avril. Et j'ai fait 2 mois de pause en plus dans le stream. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Bonjour. Oula. Bon les gars. ...147 déjà. Hein?
150. Bon, là, ça ira, je pense, pour celle-là, mais va falloir faire gaffe après. On va avoir de la flotte pour. Hop. Générer un peu la vie. C'est chaud. Après, hein, moi c'est plutôt. On essaye de faire ambiance détente. Même si c'est pas évident en fait de streamer sur du. Sur des. RPG. Parce que tu dois être concentré sur le truc. Quand ça parle, tu parles pas. En fait, t'animes pas tant que ça en fait déjà. Un stream sur du RPG. Je pense que déjà sur Morrowind, j'aurais plus de liberté parce que c'est. C'est moins. Déjà, t'as les dialogues, c'est pas des dialogues. Je suis obligé de les oublier, les mecs. Et c'est moins complantatif, je pense. Skyrim ou. Enfin, Morrowind plutôt, mais Skyrim aussi. C'est plus le côté exploration. Que là, l'exploration est moins fun dans ce jeu-là que dans un Elder Scrolls. Après, l'histoire est bien mieux, quoi. Tout ce qui est enfin. Histoire, musique, tout ça c'est beaucoup mieux traité. Les personnages sont plus attachants. Vous êtes nombreux les gars, vous êtes un peu trop nombreux. Vous. Ouais d'accord, ok. Bon après il suffit d'appuyer, de bourrer le bouton et ça passe. Eh hey, je suis déjà en surpoids. Ça c'est nul ça. Ça sent le fromage et ces trucs là. Est-ce que j'ai des selles nulles aussi? Ouais, la selle ça coûte rien du tout. Ah ouais, non ça c'est nul ça aussi. Ouais alors. Tiens hop manger des pommes. Chair pourrie non mais c'est bon. Faut que je les retire ces machins là, j'en ai 22. C'est 0,27 les 22 ou 0,27 les. Ça va être ça qui nous prend de la place aussi. Tout ça là aussi. Argent pur, ça on va peut-être le garder parce que c'est fort. Alors j'aime bien le Gérald hein, qui s'arrête de respirer pour virer ses trucs. Fistec, machin. Peau d'ours blanc, ça on en veut pas. En fait, c'est tout ça qui me. Une plombe en fait. Alors peau d'ours, il faut que j'en garde une. Poupée de magie noire, ça va peut-être. Non, vas-y mon cas. On vire. Fossile rare, on va le garder, ça a l'air d'être rare. Peau de lapin, ouais d'accord. Coquillage, ouais c'est bien. Tout ça, ça pèse rien apparemment, ce que j'ai comprendre. Non. Ça c'est de la merde. Ça se vend rien du tout non plus. Hein. Ça aussi c'est pareil, ça se vend pas de ouf, hein, 171, 140. Ouais, ça coûte cher. Ça c'est un bon investissement. Voilà, tout ça se vend un minimum. Non, ça non.
peut-être pas non plus, non, on plie. Allez hop, ça dégage. Ah merde, il est bourré. Ouais, il est bourré, merde. Ouais, j'ai bu une bière. Ouais, oh, tu bois une bière, t'es bourré, mec. Hein? J'ai pas fini de looter? J'ai pas fini de looter, pardon. Y'en a un que j'ai pas looté. Effectivement. Ouais, c'est la tempête, super. Bon. On va se rendre ici, on a un bateau, puis on a... On va pouvoir acheter, on va pouvoir vendre nos trucs. Et j'aimerais bien avoir des niveaux. Prendre la perque. Et bam, toutes les caisses là, la musique. Il faut des mutagènes de force, les gars. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ce qu'on va faire pour être sans moins ennuyeux, parce que j'ai du monde, c'est qu'on va aller ici, on va explorer ça là. On va explorer l'île. C'est un peu moins ennuyeux d'explorer une île que la flotte. Ouf! Allez, le forgeron. Bonjour! Avec toi. C'est dommage, ça on peut le faire dans les Elder Scrolls. Avec toi. Allez. Petite cornemuse là. Passons pour regarder Braveheart. Vous revoilà, cheveux blancs. Ouais, bah oui. Mais... Laissez-moi inspecter vos articles. Bon, j'ai médité 12 heures dans ta piole, hein. Excuse-moi. Hein. Ah, mais t'es un clodo? Bon, ça va, je les vends pas cher, les machins, mais... Ah, bah, parfait. Bon vent. Elle a peine dans les vins pour le savoir. Je connais bien depuis si longtemps. Ben voilà. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Qu'est-ce que l'épreuve de la voix? C'est une vieille tradition d'Anskellig. Les jeunes hommes doivent réussir l'épreuve de la voix pour devenir de vrais guerriers. De quelle voix s'agit-il? Allez voir le vieux Gunnar. C'est lui qui dirige le rituel de la voix des guerriers. Il vit au pied du mont Hardeklav. Voilà une quête. Ah, et où tu vas comme ça? Alors ça, on va le retirer. On est pas à côté non plus. Voilà, on va faire une petite quête. Ça finit bien une VOD ou YouTube là. Ça va faire de belles plaques. Hop. Un guerrier armé de deux épées.
On ne se connaît pas, je crois. Ah, ça s'appelle Gunnar. Vous avez un problème ? Nul étranger n'osait poser le pied sur ces îles autrefois. Et les rares téméraires ne rentraient jamais chez eux. C'était une époque glorieuse. Pas pour les malheureux qui échouaient ici. Vous êtes Gunnar ? Et vous, qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? Je veux suivre la voie du guerrier. Aucun étranger n'a jamais osé. Mais si vous avez envie de mourir, allez-y, libre à vous. Je suis censé faire quoi ? La voie offre deux ramifications. L'une mène au sommet de la montagne, l'autre aux entrailles de la terre. Arpentez les deux chemins, et vous aurez prouvé votre valeur. Parlez-moi du sentier de la montagne. Il mène aux crêtes du mont Ardéclove. Vous trouverez un châle rouge au sommet. Rapportez-le-moi pour prouver que vous avez atteint le bout du sentier. Ça ne me semble pas particulièrement difficile. Visiblement, vous connaissez mal nos montagnes. Vous pourriez m'en dire plus sur le sentier souterrain ? C'est une grotte ? Oui, mais ces galeries sont inondées. Aucun continental n'a jamais réussi à les traverser. Ça demande un entraînement à la nage depuis l'enfance. On verra bien. Quoi d'autre ? Et au fond de la caverne, une surprise vous attend. Ramenez-moi ce que vous y aurez trouvé. Une surprise ? Quel genre de surprise ? Vous verrez, si vous atteignez le fond. Si vous survivez aux harpies. Ouais, les harpies... Ça ne me fait pas peur. Étranger et abruti, vous cumulez tous les défauts. Vous devez courir jusqu'au sommet du mont Ardéclove et récupérer le châle rouge. Ensuite, vous devez atteindre le fond de la caverne. Ah mais c'est bon, j'ai compris. Où une surprise vous attend. Dans ce cas, allez-y. Montrez à tous ce que vous avez dans le ventre. Paf ! Dame Bran aurait mieux. Et on va faire une petite pause là-dessus. Des bisous YouTube, salut.